Bonsoir. Ouais, j'avais pas d'idée pour l'intro en fait. Hein. Yo les doigts, ça m'appelle Steven dans le milieu et aujourd'hui je me suis enclenché parce que vous n'êtes pas censé savoir que l'épisode 9, je crois, c'est ça, hein, de Star Wars sort très bientôt et que je me suis posé cette question à savoir, bon, Steven, tu veux faire une critique du film, d'accord? Est-ce que tu as besoin de revoir les autres Star Wars? Et je me suis dit que j'y connaissais rien en Star Wars, mais vraiment, je suis nul à chier, j'ai vu tous les films. Et pourtant, on va faire un quiz aujourd'hui, mesdames et messieurs les dos, pour tout simplement tester sa connaissance sur Star Wars. À savoir que c'est pire qu'une humiliation publique pour moi. Du coup, aujourd'hui, vous allez vous foutre de ma gueule, clairement. Ne faites pas les connards en commentaire, s'il vous plaît. Je mettrai d'ailleurs en description le lien de ce quiz, si jamais vous voulez le faire, histoire de comparer un peu nos résultats. En tous les cas, ce que je sais, c'est que probablement vous aurez un meilleur score que moi. On verra ça à la fin. Donc, sans plus attendre, on va commencer ce petit quiz. Combien Tatooine a-t-il de soleil? Alors, déjà là, j'ai envie de mourir, ça va pas du tout. Déjà, je trouve que 1 c'est beaucoup trop sur la Terre. Donc, je dirais 2 soleils, mais vraiment là, c'est du hasard parce que j'en sais rien du tout, clairement. Donc, je vais dire 2. Bonne réponse! Bouh! Alors dans Un Nouvel Espoir, un des plans montre un coucher de soleil au pluriel et ils sont deux. Et je le savais. Les droïdes de la trilogie originale s'appellent R2D2 et C3PO. Et ce n'est pas ça! H1N1, ça fait un petit peu grippe aviaire. H2G2, ça fait un petit peu grippe aviaire aussi. On va mettre Z6PO. Voilà. En plus, PO, C3PO, je connais. Donc Z6PO, peut-être que c'est un rapport, on ne sait pas. Bonne réponse. Ouh, bonne réponse, mais j'avais pas vu en fait. Z6PO est le nom français du droïde polyglotte. Donc apparemment il a mué plusieurs fois. On le salue et on salue évidemment la voix française de Buzz l'éclair qui a mué également plusieurs fois. Il s'appelle C3PO en anglais. Ah mais voilà! Ah parce qu'ils ont un nom. Je savais pas ça par contre. Ils ont un nom en VF et en VO différent. À ne pas confondre avec H1N1, le virus de la grippe aviaire. Donc ça j'avais raison. Hein, pour le coup, ça on ne s'était pas trompé. Question suivante. Parler comme Yoda en plaçant les mots dans le bon ordre. Ah putain, bah en fait ils veulent vraiment que je m'humilie vraiment en public là, genre Jedi, le dernier tu seras le dernier Jedi, le tu sera le Jedi dernier, mais qui fait ça? Franck Ribéry, si tu nous regardes d'ailleurs, big up à toi. Le dernier des Jedi tu seras. C'est une très bonne question, j'hésite entre la 1 et la 4 honnêtement. Alors je pense que c'est la quatrième parce qu'il fait pas, il inverse pas tous les mots, il inverse surtout les deux parties de la phrase. Et bonne réponse. Pouh! À quelle date les fans célèbrent-ils chaque année Star Wars? Putain, j'en ai aucune idée. Je vais dire le 25 mai. Et mauvaise réponse. Première mauvaise réponse quand même pour un mec qui ne connaît pas Star Wars. Je trouve ça plutôt pas mal. Dites-moi déjà en commentaire, vous, si vous avez toutes les bonnes réponses. Et profites-en pour t'abonner et pour partager la vidéo. On ne sait jamais. C'est le 4 mai. Jeu de mots pour l'expression May the Force be with you. Ah, d'accord. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est un petit peu plus original que... Aujourd'hui, on célèbre les 1 an de Avengers Endgame. J'ai craché sur mon micro. Yes. Quelle est la citation exacte? Je suis ton... Ah, ça, putain. Ça, il m'attend au tournant. Parce que je sais très bien qu'il ne dit jamais « Luc, je suis ton père » dans le film. Je crois qu'il dit « Mince, je suis ton père ». Imaginez, oh merde, dame les gens. Oui, je suis ton père, je crois que c'est ça. Désolé, mauvaise réponse. Ah, c'était non! Ah putain, le mec est négatif, quoi! Dark Vador répond en fait à une remarque de Luke Skywalker qui croit savoir, d'après Obi-Wan Kenobi, que Dark Vador a tué son père. Oui, tu n'as pas vu le plan précédent dans la caméra parce que je viens de tousser, comme tu peux le voir peut-être ici, voilà. Dans la version française initiale, Han Solo pilotait. Dans la version française. D'abord. Je n'ai plus accès à rien. La force me permet de, en soi, avec la force, tu peux faire les trois. Mais je pense que là, c'est plus déplacé. Non, mais... Ah, mais c'était par rapport à cette scène, peut-être. Comment s'appelle la planète glacée de l'univers Star Wars? Adderan. Et non, c'était off. Je savais que c'était pas Tatooine, parce que Tatooine, c'est vraiment le désert, ça, je le sais. La planète Tatooine est connue pour son double crat... Ah, double... Mais non, double soleil, les dos, on le sait. Chewbacca fait partie de l'espèce des Wookiees, ça, on le sait. Dans l'épisode 4, le premier volet de la saga où la princesse Leia dissimule-t-elle les plans de l'étoile noire, arme absolue de l'Empire Galactique. Dans la mémoire de R2-D2, yes, parce qu'il cherche un moment R2-D2, il me semble. Mais de toute façon, R2-D2, c'est le pauvre, je sais pas comment il fait à chaque fois. Quelle vie de merde, quoi. Quelle langue parlent les Wookiees? Le Shiriwook, je crois. Ok, c'est bon. Vous savez que je me surprends vraiment. Genre là, je vais devenir fan de Star Wars, ça y est, quoi. Que fait remarquer R2-D2 à C3PO lorsqu'il se rencontre pour la première fois? Je crois que c'est parce qu'il est nu, il me semble. C'est ça. De quelle couleur est le faisceau du sabre laser d'Obi-Wan Kenobi? Il me semble qu'il est... Ah putain, c'est une bonne question. Il est vert. Il est bleu.
Il est bleu. Quels sont les derniers mots prononcés par Anakin à Obi-Wan avant de basculer? La force est avec vous, évidemment, c'est le plus logique. Combien mesure Chewbacca? Alors il me semble que c'est un truc genre 2m10. Ah c'était 2m28. Ah ouais, quand on voit l'image quand même. Vous dire voilà, j'ai pas envie de me réveiller à côté de ça, quoi. Ça ferait un petit peu peur. Donc le résultat, attention mesdames et messieurs, le résultat, on le cherche. 11 sur 20, on n'est pas... voilà, on n'est pas comme un ouf, hein, on va pas se le cacher. Mine de rien, je pensais vraiment me prendre une tôle, donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits quiz comme ça, ça peut rétablir la confiance, hein, évidemment. C'est pas un quiz qui est très compliqué pour quelqu'un qui connaît Star Wars, basiquement, entre guillemets. J'ai fait de mon mieux, mais j'ai la moyenne, je m'en tire plutôt bien. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est la seule vidéo Star Wars qu'il y a jusqu'à présent sur la chaîne. Je me sens pas du tout crédible d'en parler parce que j'y connais pas grand chose. Pour vous, c'est peut-être un 11, mais pour moi, c'est une lueur d'espoir. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, Instagram, à partager, à s'abonner surtout. Et en attendant les dos, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, des bisous les dos.